on aurait préféré faire ça presque comme d'habitude en présentiel. On espère vous retrouver ici, à Paris, l'année prochaine. Mais pour le moment, on va essayer de vous faire partager un moment vivant, un moment illustratif de l'action de la Confédération au cours de cette année. Tout a été voté. Tout a été approuvé. Et comme vous le savez, cette année, nous fêtons les 20 ans d'accompagnement par le Crédit Mutuel de la musique. Pour fêter cet anniversaire, nous vous avons réservé une surprise. Ici même, dans les locaux du Twist, l'enregistrement d'un concert privé. C'était un samedi du mois de mars, en grand secret, en respectant les règles sanitaires. Donc je te propose, Nicolas, si tu le souhaites, de placer cette Assemblée générale sous le signe de la musique et de donner le la. Il représente tous les efforts entrepris par chacune des caisses locales, des caisses régionales, des fédérations et des filiales des groupes régionaux. L'exercice 2019 a été exceptionnel, mais la crise nous a frappés en plein cœur mutualiste au cours de cette année 2020 et nous avons dû complètement réinventer les relations clients, réinventer le mode de travail, mais en fait, au lieu de nous abattre, cette crise a montré tous les atouts du Crédit Mutuel. Les circuits courts, les décisions plus près du terrain ont vraiment permis de gagner un temps précieux. Nous arrivons à un résultat net qui est au-dessus de la barre des 3 milliards, puisque nous sommes à 3,1 milliards. En conclusion, un groupe qui n'a pas à rougir de sa bonne résistance face à la crise, fort de son dynamisme commercial et de sa solidité financière. Nous vous avions annoncé que nous souhaitions moderniser l'organe central afin que celui-ci puisse pleinement jouer son rôle auprès de toutes les fédérations. En dépit du contexte, nous avons poursuivi cet objectif et ce, de manière collective et concertée. Le groupe Crédit Mutuel est comme un orchestre. Chaque instrument est essentiel. L'écoute est primordiale, et ce, afin d'arriver ensemble à la plus belle des partitions. Un rapport moral marqué par un choix, le choix du mutualisme efficace. Je vais adapter la formule de Jacques Delors à propos de l'Europe. Je pense que notre organisation ressemble beaucoup à l'Europe. Avec une subsidiarité qui nous stimule, une coopération qui nous renforce et une solidarité qui nous unit. Et c'est comme ça que nous avons réussi 2020. Et c'est comme ça, je pense, que nous réussirons à l'avenir. Et je pense que nous devons continuer à l'avenir à être cet organe central crédible, efficace, impartial, partenarial, toujours plus proche de nos clients et sociétaires. Et faisons vivre notre mouvement. Je suis convaincu que ce mutualisme efficace qui est apparu si clairement en 2020 doit continuer d'être le fil rouge de notre action.